Bonjour à tous, c'est Grimopé, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième épisode de... Pardon, le deuxième épisode de Alien Colonial Marines. Bah, on se retrouve dans la suite de, de ce qu'on a fait dans le dernier épisode, enfin dans le premier épisode. Du coup là, on a paru et puis il y a des messieurs qui nous ont attaqué. Donc voilà, ils commencent à le voir en face. Il y a un monsieur là en face, voilà. Ils nous attaquent et du coup, on doit les défoncer, puis... Et puis on doit tuer en plus des aliens, on doit tuer des humains. Voilà. En tout cas, je suis avec Ethanatos, on reprend la vidéo de l'épisode 2. Et salut à tous. Donc voilà, on fait la deuxième mission de Alien Colonial Marines. On a juste nettoyé vite fait la salle parce que on pouvait pas commencer une vidéo en se faisant tirer dessus directement. Donc c'est parti pour l'épisode 2. Du coup techniquement on doit aller où? Très bonne question, je pense par là-bas. En tout cas, je sais pas qui c'est ces mecs-là qui vont nous attaquer de suite comme ça là. Je sais pas du tout, dans l'épisode d'avant on était contre des aliens. Là, je sais pas en fait, la porte est assez ouverte et du coup il y a des mecs qui s'en sortent. Là, je viens de me faire complètement tirer dessus. Wow. En tout cas, ils sont plus rapides à tuer que les aliens. Hein. Ouais, mais. Un homme est légèrement moins résistant, à retenir. Mais par contre, j'ai la même arme que le premier épisode, alors qu'on a changé le jeu, je crois. Je crois que le fait qu'on a quitté le jeu a changé nos modifications. T'es sûr? Je pense. Je sais pas du tout. Oh, armure. What? Quoi? C'est bien. Je crois que j'ai été TP. De la vie! Ah là, il y a du bouclier. Des crayons! On peut pas prendre les crayons. C'est quoi ça? Oui, ça, c'est bon, je sais. Alors, appuyez sur G pour utiliser la grenade une fois en main. Appuyez sur clic gauche pour lancer la grenade dans la direction visée. Tu peux maintenir clic gauche pour dégoupiller une grenade et la lancer juste avant qu'elle explose. C'est cool. C'est une bonne chose. Je suis content de le savoir. J'utilise pas de grenade, j'ai le tir secondaire, mais je suis content de le savoir. Oui, mais tu dormiras moins bête ce soir. Hein? Tu dormiras moins bête ce soir. Ouais, c'est découpé une grenade, ouais. C'est cool. On peut pas passer par là, c'est triste. On peut IRL, passer par où, IRL, ça doit être aussi un peu plus facile que d'appuyer sur G et clic gauche, mais. Tu découpes, tu jettes. Voilà. Mais non, tu la gardes en main. C'est bon, tout simple. C'est mauvais signe. Non. Oui, je sais manier un robot de charge, donne-le-moi. Bon, maintenant, apprends-moi à manier un robot de charge. Maintenant, apprends-moi à manier un robot de charge. Vite, merci. Le robot de charge est une machine entièrement articulée, utilisée pour transporter des cargaisons sur les courtes distances. Appuyez sur clic gauche pour attaquer ou soulever avec le bras droit du robot. Appuyez sur clic droit pour utiliser le bras gauche. T'es moche, tu sais. Putain. Lol. C'est ça qu'il faut prendre là ou... Je sais pas du tout. Moi je crois que c'est ça là. C'est quoi? Yoooooooo. Enfin, tu vois, on dirait que ton robot il y a une corde dans le cul. Mais prends là. Ah tu veux l'agresser là pour... Tu veux que je prenne quoi espèce de... Tiens. Ah vas-y attends, essaie d'ouvrir la porte là alors. Cette porte là. Yo. Ah tu vois. Wow. Mais mon robot, laissez-moi mon robot. Ce robot Hulk, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le monsieur il a... Ah. Oh. Bonjour, regarde, un bouclier. Pourquoi toi t'es congelé? Il s'est passé quoi dans ta vie? Tu es un fantôme? C'est un iceberg. Bonjour monsieur. De la lumière? Vite, faut suivre la lumière pour se faire tuer plus vite. Bonjour monsieur. Oui, il fait vraiment dark ici. Ça c'est les boucliers. Ça c'est des œufs, on recharge. Y'a des balles! Y'a des balles! Y'a un PC! Je rejette votre
J'en ai l'audio. What? What? Y'a un alien qui a essayé de me violer. Ouais, je vois ça. Je suis tué dessus. Ah, tu t'es violé par les aliens, toi. Là. Bon, du coup, rends-moi de l'armure, traître. Il t'a violé les fesses. Oui, mais du coup, on va où? Monsieur, on va où? Je te parle, enfoiré. Ben, on attend que le PC finisse de parler. Faut respecter les PC. Moi, c'est pour lui, il parle pas, c'est enfoiré. Bon, il dit de la merde, en fait. Enfin, j'ai rien écouté, concrètement. Voilà, on va là, on découpe la porte, en fait. Je sais pas si tu fais pareil chez toi, genre, t'as envie de passer, du coup, tu découpes la porte. Ah, bah, pas vraiment, non. Bah, tu devrais, c'est plus rapide. Bonjour, il faut péter des œufs. Non, Ouais, c'est quoi ce bruit? Il faut surtout que j'arrête de me faire violer. En plus, il veut me lécher le visage. Tout cas, mec, il a le réflexe de choper la petite bête, quoi. Moi, perso, je la chope pas. Elle va même pas arriver à me défoncer. Yo! Ouvre-moi cette porte! Ouh, bien gluant, comme je les aime. Bon, je vais arrêter de courir comme un barbare parce que je vais encore me faire lécher le visage. Que tu m'as fait peur là. Je me suis demandé monsieur. Légèrement ce qui passait, si se passait. Fais gaffe. Fais gaffe. Viole l'autre monsieur, arrête de me toucher. On va porter plainte pour harcèlement sexuel. Fais gaffe, ça casse là-bas. Tiens, foiré. Va. Couchez la deuxième. Je suis sûr qu'il y en a un deuxième. Mais non. Ils sont par milliers pour me violer! Ah ben, ouais, c'est quoi ces petits bruits là? Tu vois qu'il y en a un deuxième! Mais non, c'est dans la tête! Oh. Tu vas te prendre une balle dans la tête! What? C'est quoi ce bruit? On va tout, monsieur? Monsieur? En fait, j'ai avancé. Oh, ça, on dirait qu'ils font des bruits de je sais pas trop quoi. Vas-y, mais il est dans le sol. Bon, je vais me sacrifier. Bon, mais pourquoi toujours moi? C'est parce que c'est moi qui filme, c'est ça? Tu dois avoir une bonne gueule, c'est pour ça. Ah, je suis bloqué là. Parce qu'en Ténois, t'as une bonne gueule sur les vidéos, c'est ça? Mais c'est raté ce que tu dis. Ah, t'es mon gueule, hein? Ah, t'es beaucoup de te fonce la gueule, hein? C'est par ici, peut-être. Bonjour. Des gilets! Mais le deuxième, il est au fond. Quel est le con qui a programmé ça? Il est où? Bah non, mais je l'ai pris, mais il fallait limite dormir dans la caisse. Bon, tu me fais un câlin, moi aussi? Tu fais un câlin par moi? Connasse, là. C'était déjà mort, Ronny. T'es un homme ou une femme? T'es les deux. Traîtresse! Il va rien m'arriver. Ça fait du bien de revoir des visages familiers. Le Sephora se fait attaquer. On est en route pour nous. J'ai pas envie de les écouter. Moi non plus. Bonjour. Il y a rien par là. Il faut découper la porte. Non mais. C'est quoi ça? Routeur passé par l'ingénierie. Rendez-vous en voie de service à vous. Merci Bishop. On fonce vers l'ingénierie. On vous fait un rapport dès qu'on y est. Voilà, reçu. Raider 6-5, on a un visuel de 3 navettes qui évacuent des soldats sur le Sulaco. Les amis, sortez vos jouets et envoyez-moi ces enculés de la Welland en enfer. Wow, elle est directe la même là. Pourquoi on évacue le Sephora? Pourquoi pas? Le Sulaco tire dessus comme un fou. Si on n'atteint pas le pont à temps, on perdra des tas de marines aujourd'hui. Tamatos. Qu'est-ce que quoi? Ouais, j'arrive. Tamatos. C'est le Papa Noël. Ah, demi-tour. Yeah. On va découper la porte. Yeah. Il y a du sang derrière cette porte quand même. Il y a des trucs derrière cette porte. Je la sens mal. Ouais, ils sont morts. Bonjour monsieur. Ils sont tous morts. Eh, la dame elle court plus vite que nous. Ici le commandant du Sephora. Envoyez ce qu'il faudra pour que nos hommes soient... Sephora, s'il te plaît. Devant, il y a un truc. C'est pas le truc de parfum, ça, Sephora? Si, si. Fais ta imagination, quoi. Je répète, abandonnez le vaisseau.
Vas-y. J'y vais mourir, mange des couilles. J'y vais. Yo, j'ai la SC. C'est sympa, il me donne des... Vas-y. Tant de gentillesse. Ah monsieur, wow. Viens vers moi, non tu vois pas. Danke. Watata wadada wadada. C'est quoi ce truc là? C'est pas un homme. Vas-y mais... Ta. Bon monsieur, t'es où? En haut. Fais gaffe, il tire à vue. Ah, je vais mourir. Oh, j'ai pas le temps de me planquer. Oh, ta. Ah, je suis mouru. Oh, mais c'est quoi ce mec? Merci. Je crois que tu crées une grenade. Yeah. Putain, mais c'est quoi ces Hulk là? C'est bon, ils sont morts. Putain. Ah, ils sont sauvages, ouais. Ah, t'as vu, les munitions du pistolet, on les a infinies. Quoi? Non. Si. Moi j'ai 163 sur 26. Les canons ne sont pas précis, on est en train de buter nos propres gars. Ah oui monsieur. On va pas là, tout de suite. Voilà. Tiens. Je suis couché. Non, je l'ai volé. Vas-y, mais arrête d'avaler mes munitions. Oh quoi. Non, je suis mort. T'es où? Quelque part. Non, je vais mourir. J'arrive. Vite. Putain, tu t'es barré de l'autre côté du pays. Mais j'ai mouru. Non, c'est elle. Toi, t'es mort. Oui, t'as j'ai mouru. Pas là. Il faut pas que tu mourues, sinon toi mourir, bah toi, disparaître. Ne pas réapparaître en plus. Tu restes à un moment ou... Non, non, je crois pas. C'est triste. Pour toi, pour moi, c'est un soulagement. Non, parce que tu vas mourir, tu vas 3. 2. 1. Tout de suite. Dommage. Monsieur, je vous espionne. Je vois tout ce que vous voyez. Grenade lancée. À terre, à terre. Tu vas tirer dessus, tu vas mourir, attention. Ah non, mais il tire où? Derrière. Fais gaffe, t'as un mec derrière toi. Derrière un mousse. Oui, il est là. Là? Non, de l'autre côté, là, c'est pas de seul. Là? Ouais. Mais je crois qu'il est disparu. Ah, il est là. Ah, il est là. Voilà, tu vois. Faut lui casser la tête. Bon, mais là, tu te relèves tout de suite, là, j'en ai marre de toi, t'es trop feignante. Ouais. Même elle a survécu alors que moi j'ai mouru. Pourquoi je suis mort d'abord? Bon, et ils font chier là à crever comme des caca. Oh, tu vas péter la jambe ou je... Je sais pas, je vais tirer dans le pénis. T'as vu, il y a plus de jambe. Non, monsieur, vous avez perdu votre jambe, c'est triste. Un homme sans jambe est un homme inutile. J'ai plus les miennes. C'est ce que j'allais dire. C'est triste. Ouais. Juste, qui c'est qui pourrait... Bon ok, c'est moi. Attends, toi tu connais le code comme ça, tranquille pépère, t'arrives et pop, c'est bon. Hop, j'ai pas envie qu'il monte. Bon. Oh. Vous m'encombrez. Non, effectivement, les armes se sont pas sauvegardées parce que j'avais mis les deux mitraillettes. Life, I get the life.
Prends le contrôle atteint, t'as le droit de res. Ouais, t'as le droit de res. Dans les fesses, bah déjà on a du boubou, c'est un peu mieux. Maintenant de la vie aussi, ça m'aiderait pas mal. Aïe, ouf, ça pique. Ouais, t'es mort. Sérieusement? Bah, chacun son tour. Ah, oui, oui, je suis réellement mort. Là, je te vois. Je vois ton magnifique fessier. Ah là là. Sur chacun son tour, pas de jalousie. Bah par contre la vue grisée c'est pas super beau. J'avoue, oh, je vais mourir. Non, t'as pas le droit non. Mais bah dis donc, quelle est cette odeur? C'est l'odeur de la mort. Putain, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Hop. Pourquoi tu m'as abandonné? Parce que je ne t'aime plus. T'as toujours pas ressuscité? Non, bah non, j'ai un bel écran. Faut qu'il y ait un point de chargement en fait. Bon, elle est pas sortie de l'auberge. Pourquoi elle marche comme ça, elle? Sacré paire de fesses, hein. Ok! Alors. Genre, c'est quoi ça? Ouais, une trousse de soin. T'as une trousse de soin? T'as une vraie trousse de soin? Alors, qu'est-ce que t'attends pour Braise? C'est bon? Oh, non. Non, le poney qui se promène dans ma maison. Oui! Oui! Attends, je bois une gorgée de café. Ah bah monsieur, bonjour. Ah, ça fait plaisir de vous revoir en combat, monsieur. Maintenant, je fous le bordel. Hop, hop. Fais gaffe de pas mourir. Mourir? Non, jamais. Mais non, la mort ne meurt pas, elle ressuscite. La vie n'a pas de mort, mais pourtant la mort elle-même en a des milliers. Ça c'est marrant, j'ai dit ça il y a moins d'un quart d'heure. Non, je ne mourrai pas. Je suis mort. Ah, t'as plus tes jambes, c'est triste hein. Allez, rêve-toi, feignant. Attends. On remet mon arme. Oh bah dis donc. Ah la vache, y'en a combien derrière? Qu'est-ce que tu fais derrière? Oh. Bon bah y'a apparemment le tirami parce que je t'ai tiré une balle. Ah t'es comme ça toi. Ah, je sais pas, t'as dit oh à la seconde où je t'ai tiré une balle. C'est bonjour. Oh, je vais mourir! Oh, je suis mort! Vite, vous pouvez me ressusciter, monsieur. Fais gaffe à toi, mort pas, monsieur. Mortez, monsieur. Je jure que c'est pas ma faute, hein. On m'a incité à venir jusqu'ici. On m'a dit, si tu viens pas, je te jure que je te mets une gifle. Alors, du coup, je dis, bon, d'accord, bah, j'y vais tout de suite. Ouais. C'est moi qui t'a dit ça mentalement. Ah, t'es bloqué. Non, monsieur. Sniff. Ce troll. C'est pas marrant. D'où j'ai perdu de la vie là? Ah oui, pas.
Comment dire? Je veux de la vie! Ce n'est pas encore. Pire, tu meurs, et puis je te ressuscite, et là tu seras foulé. Ouais, enfin, je crois qu'à force de mourir, en fait, tu ne revis plus. Ah oui? Bah, la preuve, c'est que je suis mort 2-3 fois tout à l'heure, et en fait, t'as pas pu me Non, mais il est encore là. Hein. Ah, il est David là. Ah non. Ah non, c'est un monsieur. J'ai eu peur. Il a fait me tuer. Aïe. Je sais pas ce qu'il m'a lancé, mais ça fait bien mal. Allez, debout, réveille-toi. Arrête de glander là. Oh, mais j'étais bien, je dormais bien. Endors plus, c'est fini. Tu me réveilleras la prochaine guerre. C'est pas ma guerre. Si, c'est ta guerre. Je sais plus où je vais, j'ai tourné la tête un quart de seconde, je me suis retrouvé au pôle Nord. Je pense que j'ai fait, mais je déverrouille cette porte, feignasse. J'ai fait quoi? Techniquement, t'es censé avoir déverrouillé. Voilà. Déverrouiller la porte. Oh. Bon, comme ça. Ok, je vois la porte, tu fais tout péter, mec. Ah, mais je suis bloqué. Ah. Cours, Forest, cours! Non mais toi je te jure tu vas encore une fois comme ça en sprintant, je te jure qu'on te met une taquée chacun. Tu prends moins le malin après. Fais gaffe, c'est un Terminator. Ouais mais tu vois on va le faire. Voilà, t'es mouru. Adieu Terminator. Ça va, le mec il est une armure hyper blindée et tout, t'as vu tenir tranquille, pépère et tout. Allez, cours, je te tire dans le fessier. Tu verras. Ça te fera tout drôle. Bon, j'appelle l'ascenseur. C'est toujours le même code. 33-0. Allez, on se casse en vas-y. Vite, appuie, on se casse en zone. Non, ils ont TP. Ils ont TP. Allez, moi, mais tiens, un coup de crosse dans ta gueule. Ça change, pas. Ah, y'a des gars. On parle pas, fais gaffe. Grenade. Non. J'ai fait gaffe, grenade. Eh bah, j'y suis pas allé. Oh! J'ai tiré dans le mur. Ah, t'es comme ça, toi, t'es comme ça. Bah, il m'a regardé de travers, ça s'est mal passé entre nous. Voilà quoi. Il m'a fait le bâtard, l'enfoiré. Ouais, moi il m'a surtout tiré une balle. Bonjour. Oh, vite, je vais mourir, vite. Yeah! Je ne peux mourir. Bonjour. Oh, c'est quoi ça? Oh! Encore une tour, fais gaffe. Ok. Attends, il va y avoir un truc. Aïe. Ça bouge pas. Bon, je me suis sacrifié, j'espère que je l'ai eu. Non, je l'ai pas. Pourquoi t'es mort? Parce que je suis mort. Tiens, ça c'est pour t'avoir mouru. C'est bon, je te renie. T'es plus mon frère. Poney! Ah oui, un poney? Où ça? Plein de poneys, dans le pays merveilleux de ma vie. Il n'y a rien qu'on peut accéder, c'est normal. Bonjour, je m'appelle. Tiens, voilà, tiens, tu prends moi la maline. C'est qui tire, voilà. Je m'attendais pas qu'un jour en allant à Sephora, je me ferais tirer dessus. Tu m'étonnes quoi? Qui c'est qui m'a tiré? Je suis en train de mourir. Mais non. Ça fout les miquettes, hein. C'est juste une idée. Non, mais si je te jure. Je t'ai dit que c'était qu'une idée. Ça fout ça, hein. Ça fout. C'est qui ça? Bonjour, monsieur. Pourquoi vous vous tapez, vous? Mon tricheur. Tu peux passer un point de passage là que je puisse. Monsieur, c'est ce que je cherche, mais j'en trouve pas. C'est par là? Non, c'est par là, putain, elle est où? Oh, une tourelle. Elle est désactivée la tourelle. Et on dit bonjour. Oh non! Oh! Quoi? Je vais mourir. Je te l'interdis. Mais pourquoi vous cassez les fenêtres? Bah, c'est eux, ils cassent la fenêtre. Moi, j'y casse rien du tout. Bande de branleurs sous-payés.
Oh. C'est pas l'heure de la pause caca là. Faut que t'arrêtes de te poser, de t'enlever. Putain, tu regardes dans le vide en fait quand tu tires. D'accord. Tu regardes dans le vide quand tu tires, ta tête elle est toujours sur la droite. Parce que ça fatigue l'esprit. Balance une grenade. J'en ai plus, j'ai tout jeté déjà. Tir secondaire. Non mais ça me cherche quoi. Il te manque pas un peu de chance toi? Ah c'est bon, j'ai une grenade. Grenade! Tu l'as lancé trop loin. L'autre il bug. C'est pas bien de faire du use bug comme ça. Non, non. Bonjour. Point de chargement numéro 14 est demandé à l'accueil. Point de chargement s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Désactiver machin. Allez, on se regarde. Ah ah! Voilà! Oh, le vaisseau a tout pété! Oh! Ah. Ah. C'est pas grave. Wow! C'est ça que ça fait quand le réacteur est endommagé? Je crois. Ah bah, je crois qu'il était pas juste endommagé, hein! Ça veut tout casser. Si tu vas me tomber sur la tête. Cours. Fuyez, pauvre fou, fuyez. Non, mais c'est fini. Grade supérieur 4. Reçu grenade incendiaire U4. Ah bah c'est fini, on a fini. Bon, bah voilà, deuxième épisode terminé. Voilà, on a fini. Donc le prochain épisode, mais la prochaine fois. En espérant que cet épisode vous ait plu. Au revoir. Ciao.